Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Seigneur, Saint Joseph a su être un père et prendre soin de son épouse, Marie. Moi aussi, je veux prendre soin de ceux que tu me confies. Fais que mon cœur soit accueillant et disponible pour t'accueillir comme Joseph et Marie l'ont fait. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, on vous invite à venir encourager votre niveau durant la compétition Cadeau Mitaine, où ils devront essayer de déballer un cadeau avec des mitaines. Encouragez en grand nombre! Salut les lasers! Demain matin, on vous offre du chocolat chaud dans le foyer entre 7h30 et 8h. Pour être plus écologique, on vous invite à apporter votre propre sauce afin d'éviter de faire plus de déchets. Passez une belle journée les lasers! Bienvenue pour cette quatrième et dernière semaine de l'Avent. Cette semaine, nous allons approfondir le thème de pourvoir. Pourvoir, c'est mettre en possession ou rendre disponible quelque chose qui sera utile. Donc, Joseph, vous allez voir dans le texte, sera disponible pour Marie et Jésus. Même s'il réalise que Jésus n'est pas son fils biologique, il va vouloir pourvoir à la famille. L'évangile que la liturgie nous offre aujourd'hui est une belle invitation à prier Saint-Joseph. En effet, il nous présente Joseph dans un moment très délicat. Il avait fait des projets et voici que Dieu vient bousculer tous ses projets. Que doit-il faire? Continuer son chemin avec Marie ou se séparer? Joseph est très proche de Marie, mais cela ne le dispense pas de réfléchir, de se creuser la tête pour discerner la volonté de Dieu. Mais personne ne pourra décider à notre place. Joseph a dû affronter une certaine solitude. D'ailleurs, il est intéressant de voir que Marie et Joseph ont chacun eu leur annonciation. Saint-Luc nous présente l'annonciation à Marie, Saint-Matthieu l'annonciation à Joseph. Il faut savoir que les fiançailles juives étaient un engagement si réel que le fiancé était déjà appelé Marie. Il ne pouvait se dégager que par une répudiation. Joseph aime Marie et c'est réciproque. Il ne veut pas aller là. N'oublions pas que le oui de Joseph est aussi indispensable pour l'accomplissement de l'incarnation, pour l'accomplissement de Jésus qui vient sur terre. Il est vrai que ce oui est le second, mais il est aussi essentiel, car Joseph pourra pourvoir avec Marie, Jésus et la famille. Joseph ne s'est pas obstiné à suivre son projet de vie, son propre projet. Il s'est laissé emporter, se laisser mouvoir, comme la semaine dernière, au plan de Dieu. C'était un homme bon, Joseph. Et c'est ainsi que Joseph est devenu encore plus libre et encore plus grand en acceptant de pourvoir pour Marie, Jésus et sa famille. Bonne dernière semaine de l'Avent.